Salut à tous, c'est FunFox et bienvenue sur le 18e épisode de notre série sur OmniFactory. Hors épisode, il s'est passé pas mal de choses et en même temps peu. Ça fait au moins 5 jours que j'ai pas record parce que j'étais en train d'avancer sur des choses qui n'étaient pas forcément très visuelles. J'avais absolument pas l'occasion, accessoirement aussi, puisque je faisais des petits morceaux par-ci par-là, un petit peu le matin, pas une demi-heure de suite. Depuis le dernier épisode, il s'est passé quoi? J'ai démonté ce qui était là, où j'avais essayé de le faire initialement de manière extrêmement dense, pour remonter ici la même chaîne, mais beaucoup plus étalée, avec un visuel devant des éléments, ce qui fait que si j'ai besoin un moment de gravier, de sable, d'enderpearl, je dirais bien ça, mais en fait, aujourd'hui, l'enderpearl est un des éléments limitants de mon système, donc j'en ai pas d'avance. Mais tout le reste, si j'ai besoin de clés, de pulsating death et tout, j'en ai à disposition ici. J'ai fait ça comment en fait? Tout simplement en créant un nouveau drawer controller, ce qui fait que toutes mes machines qui sont derrière envoient les items en sortie jusqu'au drawer controller qui se débrouille derrière pour balancer ça là-dedans. Comme en fait, j'ai mon macérateur qui récupère du cobblestone ici, qui envoie dans le système, qui émet ici le gravier. Ça sort. Ça retourne dans le drawer controller. Ça sort ici du sable qui va dans ces deux machines. Une pour faire de la vitre, une pour faire de la dust. Ici, la dust, elle sort directement à droite. Parce que pour le coup, j'aurais jamais besoin de dust à part pour faire de la clé. Donc ça n'a aucun intérêt de le ramener là-dedans. Ici, elle sort directement à droite. Et cette clé, en revanche, elle sort en dessous. Vous voyez que ici, il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas de liaison en dessous. Ici, il y a des trims, justement parce que j'ai rien à récupérer. Ce truc-là ressort. Et ici, c'est la vitre que j'avais générée là, qui sort pour aller faire dans un électrolyseur du quartz. Ça ressort. L'enderpearl que j'ai récupéré là-dedans, via, comme d'habitude, hein, ici j'ai Simulation Chamber avec Enderman, qui sort le résultat en clé. Alors, j'ai appris un truc d'ailleurs, le Simulation Chamber est pas intelligent, c'est-à-dire qu'il reçoit ses items par en haut obligatoirement et il émet par en bas obligatoirement le résultat. J'avais des soucis lors de mon automatisation à cause de ça. Donc il faut obligatoirement balancer le résultat par en bas. Mon résultat remonte par derrière en haut. D'ailleurs, je dis peut-être des bêtises sur le Loot Fabricator, c'est peut-être pas le cas. Je suis plus sûr. Si, si, c'est ça, ça rentre par en haut. Mais on peut le récupérer par le côté aussi. Ou par en bas, mais par le côté, c'était faisable. Donc ici, je sors par en bas en extract vert. J'insère en vert. Je ressors ici mes perles qui partent là-bas. Pourquoi ça marche? Parce que tout simplement, même si c'est le même tuyau, ça marche pour une raison toute bête il ne peut extraire que de la perle qui arrivera là-dedans parce que tous mes drawers sont verrouillés. Ça, c'est des trims. Ça fonctionne comme des drawers au sens, ça crée une ligne avec le drawer contrôleur, mais ça contient rien. Ça coûte moins cher, ça servait à rien de mettre des drawers ici. Il aurait fallu peut-être, pour être plus propre, que je mette des couleurs différentes d'extraction. Je pourrais mettre une extraction. Je voudrais vert ici parce que en revanche, ça sort en vert. Bon, quoique. Voilà, tu insères en brun ici, tu extrais en brun là. Voilà. Ce truc-là, il n'a pas de raison d'être. Donc ici, on extrait en vert. On insère en vert l'extraterrestrial matter ici dans un drawer qui se vide tout seul. Et on extrait et on balance en vert les pristines qui, elles, repartent là-dedans en tant qu'enderpearl. Une fois que ça s'est fait, l'enderpearl elle va là-dedans en fluide extractor. Le fluide extractor balance à droite, lui aussi, hein, directement, le Resonant Ender, qui, avec le Nether Quartz qui vient de là, devient du Cataract, qui est envoyé ici, pareil, hein, via le contrôleur. Le Cataract est cuit pour faire de la Pulsating Dust, et la Pulsating Dust avec la clé est envoyée ici dans l'Alloy Smelter. Le seul né nécessité, c'est qu'ici j'ai un CEF MV, parce que ce truc-là est MV. Il a fallu que je fasse tout le tour, il a fallu que je fasse très attention. Attention à une chose, si vous
placer le CEFMV dans le mauvais sens, que votre CESMV touche des conductive iron cable, donc de LV, ça casse tous les câbles et ça peut casser des machines. Autant dire que j'ai cassé tout ce qu'il y avait autour, mis le CEF, mis ma machine MV, et après seulement remis les câbles. C'est un peu comme dans IC2. Mais là, ma machine, là, je l'ai débuggée un matin. Elle avait 1000 clés. Le midi, j'avais 6000. Le soir, j'avais 13000. Hein, polymère clé. Donc, ça fonctionne très bien en autonome. Ce qui fait que maintenant, voilà, j'ai 25000 polymères clés. J'ai commencé à l'utiliser. J'ai recréé en fait un load fabricator et un simulation chamber ici avec une automatisation toute bête. C'est-à-dire qu'il y a un drawer qui récupère la polymère clé, qui balance en haut. Le résultat de ça est balancé en bas, en partie ici, pareil, pour que ça ne bloque pas tous mes résultats. La pristine par ici. Je voudrais de la copper, s'il te plaît. Je vais garder de la spider matter pour les prochaines fois que je voudrais de la copper. Et le résultat par en dessous est envoyé à un storage crate. Je l'ai utilisé deux fois. Première fois, entre hier midi et hier soir, je lui ai mis 2000 polymères clés dans la tronche. J'ai récupéré 7000 iron. J'ai derrière enchaîné, j'ai fait ça aussi avec du silver. J'ai 2000 silver et j'ai fait ça avec du coal, j'ai 6000 coal. Autant dire que je ne vais plus avoir de problème de matériaux à partir de maintenant. Ça va beaucoup accélérer certaines choses. Parce qu'en fait, maintenant, on va dire mes ressources vont se générer de manière relativement récurrente facilement. En tout cas, en offline. Pour ça, il va falloir que j'accélère un petit cran les choses. En fait, je voudrais retoucher, mais je le ferai hors épisode, hein. Ça, je voudrais le séparer, c'est-à-dire qu'en fait, je voudrais avoir un système énergétique d'un côté et un système de production de l'autre. Pour tout simplement, alors, je vais peut-être laisser ça, en fait, juste celui-là, parce qu'en fait, ça me permet d'avoir ma base de système. Je vais peut-être laisser ceux-là traîner comme ça juste parce que ceux-là, ça me permet d'avoir ma base de système. Mais à terme, je voudrais me faire deux choses. La première, c'est que la production énergétique, je voudrais effectivement la séparer du reste pour avoir vraiment un endroit où ça génère de l'énergie qui fournisse le reste de ma base. Mais peut-être que je laisserai ce système-là en autonome de manière à ce que même si je pompe trop d'énergie, je continue ad vitam aeternam à créer ma polymère clé. Vu que le reste de ma génération énergétique sera probablement basé sur des magmatic dynamo, un simulation chamber avec du blaze, loot fabricator qui génère des magma blocks, et un fluide, je sais plus quoi d'ailleurs, le magma block que je transformerai dans un chemical reactor en lava, pour pouvoir le balancer dans mes magmatiques dynamo. Avec isotropique réservoir, ça génère... Tu peux monter à 1500 RF par tick assez violemment. Là, hors épisode, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai... Toutes mes dynamos, maintenant, sont renforcées. Donc, en fait, c'est de l'électrum, c'est pas énorme, hein, parce que c'est de l'or et de l'argent. C'est aussi pour ça que j'ai recréé pas mal d'argent, j'arrivais au bout. J'ai reinforced toutes mes magmatiques... toutes mes steam dynamo. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, elle génère 400 RF par tick par dynamo. Ce qui veut dire que là, j'ai plus trop de problèmes d'énergie, c'est-à-dire que là, ça remonte assez vite. Et celles qui sont chez moi, là, où j'ai juste un petit une petite triplette là, ça arrive à suivre la génération de ça, de l'énergie de ça, plus le blast furnace quand je veux cuire de l'aluminium, à condition que je sois pas en train de faire un truc trop violent ici, c'est à dire que chaque ça par exemple ça coûte 64 RF, si je mets de l'Enderman ça coûte 512, hein, donc RF par tick, donc ça dépend ce que je suis en train de crafter ici, mais si je prends des trucs overworldian ça passe sans trop de problème. Je vais le laisser à terme ici. Et je voudrais maintenant passer sur le MV. Une des choses aussi qui fait que j'ai passé du temps à attendre avant de... Comment ça s'appelle ? Avant de record, c'est qu'en fait, je ne sais pas exactement par où partir maintenant. Ça faisait un moment et je me suis vraiment pris la tête pour me faire ce truc. Je promets, ça,
Il m'a fallu 3 jours de prise de tête avec des réflexions. En plus, j'ai eu un problème. Au début, mon système n'était pas suffisamment autonome. Donc, en fait, générait beaucoup trop de clés par rapport à la Pulsating Dust. Donc, en fait, ici, je me retrouve avec 2 clés. J'ai maintenant mis un Limited In-Temp Filter qui permet de faire que je dis qu'il n'y a que 64 de chaque qui doit rentrer. Ce Limited Item Filter, je me le suis fait donner parce qu'en fait, je ne peux pas encore le craft. Le Z-Logic Controller, je peux presque. Le Solarium n'est pas un problème. Le Refine Processor n'est pas un problème. Mais je peux pas encore faire les wafers. C'était pour un objectif d'explication de comment est-ce que ça fonctionnait, etc. Dans les faits, sinon, maintenant que mon système il tourne à plein régime, le filtre devrait plus fonctionner. Enfin, devrait plus être nécessaire. C'était vraiment pendant les tests que j'en avais besoin. Autant dire que donc maintenant, je me suis aussi fait des compacting drawers parce que l'iron, je préfère l'avoir là plutôt que dans un petit truc comme ça. Mais bon, j'ai mis pas mal d'upgrades de x32 hein, en émeraude pour pouvoir stocker ce que je vais crafter au fur et à mesure. J'en ai mis pour la redstone, pour le coal. La redstone, je l'ai pas encore. Laisser pourrir là-dedans, mais vraiment en fait là je mets 1000 ou 1500 polymères là, je pars travailler, je reviens, ça c'est plein quoi. Donc c'est assez agréable mine de rien. Ça ne suffira largement pas pour avoir eu l'occasion d'en parler avec Olegon qui est plus avancé que moi, mais c'est quand même assez agréable. Or et puis enfin le problème aussi c'est que je suis un petit peu coincé, enfin, coincé non. Mais je savais pas vers où partir pour l'épisode et j'essaye de préparer mes épisodes quand même pour que ce soit pas trop brouillon. Donc je savais pas vers où partir à cet épisode-ci. On va devoir avancer, naviguer un petit peu à vue, ne serait-ce que pour rattraper là où je suis censé en être, parce que je pense qu'il n'était pas prévu que je fasse mon automatisation aussitôt dans le pack. J'ai fait le Compacting Drawer et c'est très bien. J'ai fait une MV Machine Hull pour faire l'électrolyseur de niveau MV. C'est la seule chose que j'ai fait pour l'instant en niveau MV, mais j'ai fait un électrolyseur de niveau MV. Et un CEF de niveau MV, bien sûr. On remarque qu'il ne me propose pas d'aller plus loin. Donc en fait, là, je pense que je suis en train d'arriver à la fin de la page Beginning et qu'on va rentrer dans Early Game. Dans Early Game, j'ai déjà fait un certain nombre de trucs. Mais d'abord, je voudrais quand même avancer sur le ME. J'avais quand même il y a plusieurs épisodes, préparé tout ce qu'il faut pour rentrer dans le plat d'Energistics en disant que oui, ça va me servir à faire de l'autocraft, tout ça. Et puis finalement, j'ai complètement laissé tomber pour faire ma chaîne de production. Ce qui n'était pas inutile parce qu'en fait, ME, ça va me consommer de l'énergie en permanence. Et tant que j'avais pas de génération énergétique, ça servait à rien. Maintenant que j'ai mes machines, enfin ma Steam Dynamo qui tourne à la canne à sucre, oui, on peut passer sur le plat d'Energistics. Donc ça, je l'avais préparé. C'est pas compliqué, hein. Pur flux cristal, pur certus quartz, avec ma machine qui fait grossir les seeds sans aucun problème. Plus des dark steel blocks, on sait les faire. Et puis l'Illuminated Panel, je l'avais déjà fait il y a 2 ou 3 épisodes. Ça, c'est fait. Ah, les double clics de ma souris. Digital Storage Atlas. Alors, j'ai commencé à préparer ça. Parce que je m'attendais, enfin j'avais vu l'image, hein, donc voilà. Il faut que je me fasse un ME Storage Cell pour pouvoir aller dans mon ME Chest. Parce que le ME Chest tout seul, il sert à rien. Alors il sert d'autant plus à rien qu'en plus il nécessite de l'énergie, mais j'ai en haut là-haut, j'ai un Energy Acceptor. Il va falloir que je déplace parce que c'est bien joli toute cette histoire, mais. Je suis un peu à l'étroit. Deux, ça sert à rien de faire là. Donc c'est ce que je disais, c'est je vais laisser mes machines ici avec l'élément qu'il y a là. Mais ça va probablement sortir. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, je génère suffisamment de polymères clés pour pouvoir gérer 2 ou 3 couples Simulation Chamber Loot Fabricator en plus de celui qui sert à la Ender Pearl. En revanche, il faut que j'augmente mon niveau énergétique, donc il va falloir que je refasse des Steam Dynamo. Et donc, quand j'aurai bien fait plus de production énergétique dehors, je mettrai tout ce système, l'Energy Acceptor, le chargeur, etc., etc., dehors, accroché à ça, parce que ça n'a aucun intérêt d'être ici. Je vais déplacer ça, parce que il a pas vocation. Voilà, on va le mettre ici. Non, ici, il va me gêner.
Où est-ce que je pourrais le mettre de manière à ce qu'il me fasse pas souhaiter? En fait, je vais échanger des trucs ici, je pense. Parce que je voudrais pouvoir utiliser de manière un peu plus efficace mon énergie acceptor. Si je mets ça là, si je mets le cristal gros derrière, parce qu'on s'en fout, si je mets le ME chest là, tiens, lui reçoit de l'énergie aussi. T'as pas besoin. Voilà, donc là il faut le storage cell. Le storage cell, il faut que je crafte un storage cell. Donc. Et ça, je vais le mettre à un autre endroit. On verra de manière à ce qu'il me fasse passer, mais pas tout de suite. Hein? Tiens. Ouh, c'est marrant. Et il reçoit l'énergie comme ça, tiens. Rigolo ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Il faut donc que je me fasse des ME Storage Component, ME Storage Housing et ME Storage Cell qui est le craft des deux ensemble. Le housing, c'est de l'Electrical Steel Plate et du Fine Red Alloy Wire. Une des raisons pour lesquelles j'ai temporisé un petit peu, c'est que bah, il me fallait, j'avais plus beaucoup d'Electrical Steel. Maintenant j'en ai. J'en ai refait. Parce que maintenant que j'ai tellement de matériel, eh ben, je peux me faire les trucs par stack, ce qui est quand même pas désagréable. J'avais prévu d'utiliser ça, c'était pourquoi déjà? C'était en plaque. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire avec ça? Peut-être bien décompacting. Je suis pas sûr. C'est peut-être pour me faire plus de compacting drawer que j'avais fait ça. Bon, de toute manière, maintenant que c'est fait, c'est fait. Ah non, c'était pour faire des chaudrons. Bref. J'en ai pas besoin pour l'instant, je vais le garder. Ok. Toi, ça c'est fait. Je me suis préparé en avance du Red Alloy Wire. Hein. Et donc, je peux faire un cas. Non, c'est l'autre. Du ME Storage Housing, je prends ça. Maintenant, il faut que je me fasse du 1K pour aller dedans. Et ça, c'est du Red Alloy Plate. Et vous avez vu que j'ai. Comment ça s'appelle? J'ai lancé ma production de cuivre parce que j'en avais plus beaucoup. J'avais plus beaucoup de redstone non plus d'ailleurs, mais ça, j'en ai acheté juste parce que pour l'instant, il faut bien choisir par quoi on commence. Et la redstone, je pouvais en acheter, ça coûte pas très cher. Donc j'ai commencé par acheter de la redstone. Le ME, 1K. J'ai dit 1K storage cell. Voilà, donc c'est 4 plates, 4 glaces et un electronic circuit. L'electronic circuit, en revanche, je vais me poser un problème parce que je crois que j'ai plus les composants pour le faire. Et il me faut du Red Alloy Cable. Ah bah tout va bien. Tac. 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 Ah, il l'a pas pris en compte. Est-ce que je peux les reséparer? Je peux les reséparer. Allez, prends en compte. Merci. Ok. Donc là, maintenant, j'ai du storage cell que je peux mettre dans mon ME chest. What? Voilà, clic droit. Voilà. Et voilà, maintenant j'ai un ME chest. Je peux mettre des choses dedans à hauteur de. Vous voyez, je peux mettre 1024 bytes, mais en revanche, je peux mettre que 63 types de choses dedans. Donc il faut être un peu attentif quand même à ce que je fais. Je ne vais pas pouvoir remplir ça avec n'importe quoi. Typiquement, j'aurais bien voulu vider tous ces chests-là, mais ça rentrera jamais dans un seul disque. Vous aurez remarqué qu'en revanche, faire les disques n'est pas si cher que ça. Donc je vais probablement en faire plusieurs.
Le défaut, en revanche, c'est que vous aurez remarqué que mon chest, là, il contient qu'un seul disque. Donc je voudrais aller plus loin et pouvoir me faire un drive. Ah! Claim. ME terminal. Et puis après, il me demandera probablement de faire les conduits, etc., etc. Alors, le terminal. Alors, on va commencer par le ME terminal et après on fera un ME crafting terminal. C'est un primitive circuit et un illuminated panel. Tout va bien, le problème c'est que j'ai plus. Enfin, j'ai fini mon illuminated panel, donc il faut que j'en refasse un. Là, il me manque quoi? J'ai plus de vacuum tube. Vas-y, j'ai des vacuum tubes maintenant. Voilà. Je voudrais un illuminated panel aussi. Ça se fait avec 3 quartz glace et 3 flux plates. De mémoire, c'est comme ça. Voilà. Et les 3 quartz glace, est-ce que je les avais pas déjà? Non, j'en ai un. Alors, c'est alloy smelter, c'est Certus quartz et glace. Et glace. Alors, on a dit que c'était du Certus Quartz Dust, donc faut que je le pile. Ok. Que je mets dans un alloy smelter. Ça plus ça. Il manque une vitre. Voilà. J'ai donc ce qu'il faut. Ça, ça, raté. C'était le contraire. Illuminated panel. Je voudrais faire avec un ME terminal. Je fais gling. Merci. Et on va aller sur le conduit et sur le drive. Le conduit, ME conduit. Donc ils sont plus chers, mais c'est ouais, c'est les ME conduits de Ender IO. Ce qui est cool avec les ME conduits d'Ender IO, bah c'est que c'est des conduits d'Ender IO. En fait, on peut faire sur la même case tous les conduits d'Ender IO. Donc liquide, item, énergie et ME. Autant dire que pour compacter ton système, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus sympa. Et en revanche, ME conduite, ça coûte quoi à faire? Des ME Covered Cable plus des conduits de binder. ME Covered Cable, c'est un assembleur avec du rubber. Oh ouais, d'accord. ME Glass Flux, ça j'en avais fait d'avance, je crois. Où est-ce que j'avais mis mon ME Glass Flux? J'avais peut-être fait que du quartz fiber. J'étais assez persuadé d'avoir fait du ME Glass Flux, mais. Alors, Flux Dust et Quartz Fiber. Et le Flux Dust se fait en pulvérisant du Flux Crystal. Et ça, je le mets dans un alloy smelter. Donc ça plus ça. Je suis persuadé que j'en avais fait. Je suis persuadé que si ça se trouve, j'en avais fait un tout petit peu et je l'ai utilisé dans mes crafts pour des trucs, mais je suis assez persuadé que j'en avais fait plus que ça.
Bon, c'est pas grave. Un jour, je retrouverai mon Fluix. Et donc ça, je voudrais faire avec du rubber. Il va falloir que j'envisage de faire passer. Ok. On va prendre mon pressurisé, machin truc. On va le faire comme ça, toi tu te tais. On va faire passer comme ça, et toi tu te tais aussi. Comme ça. Et toi tu te tais aussi. Donc on insère ici, dans mon assembleur, de quoi je vais pouvoir insérer du rubber. Donc on met des mug glass flux. On met du rubber ici. Du rubber, ça devrait pas être un problème. J'en ai un gros tas. C'est bien du rubber comme ça, j'espère. Parce que sinon, je suis ennuyé. Alors, le rubber, ça se fait avec des rubber bars dans un fluide extracteur. Ah, t'es sérieux? C'est pas le même! C'est pas le même! La rubber bar, ça se fait comment? En cuisant de la rubber pulp. En extrudant de la rubber pulp. Donc je viens d'apprendre qu'en fait c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Moi j'ai fait tout ce que je viens d'expliquer là avec le fait qu'on faisait le rubber à partir du chemical reactor, sulfur dust, rubber pulp. Et la rubber pulp se faisait à partir d'un extracteur sticky resin et raw rubber pulp. Mais en fait il y avait beaucoup beaucoup plus simple. Rubber sheet. Tu le passes au fluide... comment ça s'appelle ? Un rubber sheet, tu le passes au fluide extractor et ça te fait du rubber. Donc en fait, il suffisait que je mette du rubber sheet là-dedans pour avoir du rubber. Donc je vais couper toute la construction que j'avais fait pour faire l'extractor et tout qui avait aucun intérêt, qui prenait du temps et qui faisait que j'avais dépassé largement la durée de l'épisode. Et à partir de maintenant, le rubber, je le ferai avec un rubber sheet dans un basic fluide extractor. En espérant que l'épisode vous ait plu, donc je me suis fait mes covered cable flux. Je cherchais à faire quoi avec ça, moi? Juste que je finisse par ça, quand même. Et me conduite, c'était juste ça là-dedans. Ok. Nanana. Je remets tout ça là-dedans. Ça me servira pour quand je vais vouloir recontinuer à construire d'autres trucs. Voilà. Donc j'ai mes ME conduits. Claim. Et la suite, c'est de faire un ME drive. Enfin. Et là, je serai réellement... Parce que ce truc-là, je ne compte pas vraiment l'utiliser. J'utiliserai les ME conduites avec mon écran, mon ME terminal et mon drive. Je fais faire ça, je vais préparer ça, je le ferai pour le prochain épisode. Je sais pas si je le crafterai avant le prochain épisode ou si je le crafterai pendant le prochain épisode, mais en tout cas, en espérant que l'épisode vous ait plu. Si vous a plu, dites-le moi. Si vous a pas plu, dites-le moi. Et puis très bientôt. Allez, ciao, ciao.